Quand il ne s'agit pas d'un phénomène météorologique, un vortex, c'est quoi? C'est un sas, c'est une porte ouvrant sur d'autres dimensions, disons-le, sur d'autres univers parallèles. Les phénomènes liés aux univers parallèles abondent dans la science-fiction. Mais est-ce qu'il s'agit seulement de science-fiction? J'ai utilisé moi-même dans nombre de mes ouvrages ces thèmes des univers parallèles, des autres dimensions. Nous pourrons y revenir le cas échéant. Pour nous informer, nous nous sommes rendus auprès de la Cité à Paris et nous avons été les hôtes de Martine Soliren et Bianca von Eyroth aux éditions Vaugirard. Ils étaient en pleine réunion avec leur staff et nous avons là rencontré Raymond Audemars. Raymond Audemars, tu es un vieux de la vieille de la science-fiction, tu as fait des critiques littéraires depuis très longtemps, tu es un adaptateur, tu travailles d'ailleurs sur des bouquins tels que ceux de Blade, le fameux héros, n'est-ce pas, dirigé par Gérard Villiers. Tu es directeur d'une collection aux éditions Vaugirard. Parlons aussi quand même de confrères qui ont usé et abusé pour le plaisir de leurs lecteurs d'ailleurs, des vortex. C'est vrai que les plus grands de la science-fiction ont utilisé le thème des univers parallèles parce que c'est une façon extraordinaire de présenter un autre monde, une autre conception du monde ou de l'univers sans avoir à passer par le médium qu'est le voyage spatial. Donc le changement d'univers, le passage par un vortex, par un trou, par une déchirure, par une brèche, je crois que tous les termes ont été utilisés depuis Shelley ou Sprague de Caen ou Dick ou tous les autres auteurs qui sont intéressés au sujet. Et puis on peut même se dire qu'il y a très longtemps, Rice Burroughs, quand il écrivait les histoires se passant sur Mars, eh bien son vaisseau ne partait pas de la Terre. Il n'y avait pas de vaisseau, à vrai dire. Le personnage simplement regardait Mars d'un ciel, et puis en quelque sorte il tombait dans une espèce de trou, dans une espèce d'autre univers, et il se trouvait transporté directement sur la planète Mars. Alors c'est vrai que... Voilà, et c'est vrai que c'était extrêmement facile. C'était un petit peu utilisé à l'origine, je crois, comme une facilité, parce que bon, ça évitait de se poser des questions sur le voyage. Contexte technologique. Voilà, tout à fait. Mais d'autres auteurs beaucoup plus récents, comme Sprague de Caen avec De peur que les ténèbres, utilisent le thème de façon vraiment assez extraordinaire, puisque son personnage, qui est un professeur d'université, tout simplement, un jour, il tombe dans une sorte de trou, et ce trou est un trou temporel, puisque le vortex ou la possibilité de sortir de l'univers est utilisée non seulement dans sa dimension spatiale, mais également souvent dans la dimension temporelle. Et là, il va se retrouver donc à la fin de l'Empire romain, il va introduire le zéro dans les mathématiques, il va essayer de modifier la société et se rendre compte que c'est pas aussi facile que ça quand on est tout seul de modifier toute une société. Alors, le domaine des univers parallèles, le domaine de ces sas, ces portes vers ailleurs, on peut dire que ce n'est pas que du domaine de la science-fiction. C'est-à-dire, ça a été vraiment, on peut dire, extrêmement exploré par les auteurs de science-fiction, dont toi. Ça vient aussi, je pense, de beaucoup de traditions, de beaucoup de légendes, avec des gens qui disparaissaient, qui réapparaissaient. Et finalement, on peut se poser la question de savoir sur quoi sont fondées toutes ces légendes. La science-fiction, en fait, a beaucoup utilisé les idées qui flottaient un petit peu dans l'air. Elle a utilisé aussi beaucoup la mythologie, elle a utilisé beaucoup les légendes, les traditions. Et finalement, on s'aperçoit que
du moins c'est une impression, que cette idée de passage entre des univers parallèles, cette idée de vortex, de brèche, de trous et autres, comme les termes sont utilisés, eh bien, elle a des résonances dans la réalité, elle a des résonances dans la légende, mais également dans la réalité. On l'a vu dans certaines apparitions ou dans certains phénomènes qui sont liés au phénomène OVNI, certains auteurs ont pas mal d'ailleurs réfléchi sur ce point, hein, entre le phénomène OVNI et les univers parallèles, je pense à Jacques Vallée en particulier, et c'est vrai qu'il y a eu des épisodes, il y a eu des disparitions pour le moins mystérieuses, qui peuvent laisser supposer qu'il y a quelque part des zones, des sas, qui permettent d'accéder à un univers ou à un autre. Il y a quand même une affaire qui, moi, m'avait assez fasciné. C'était entre le milieu et la fin des années 70. C'était l'affaire du caporal Valdez, Chilien, qui a disparu au cours de manœuvres, si mes souvenirs sont exacts, ils sont quand même un petit peu nébuleux, et puis qu'on a retrouvé un jour ou deux jours plus tard. Un quart d'heure plus tard, et il avait vécu, lui, plusieurs jours. Sa barbe avait poussé, et il était complètement ébahi, peut-être pas autant même que ses compagnons, de se retrouver un quart d'heure après son départ, alors que lui avait finalement vécu ses journées physiologiquement. L'affaire du caporal Valdez est une affaire parmi d'autres touchant aux univers parallèles. Les vortex font partie de notre réalité. C'est pourquoi les personnes qui ont été déplacées au-delà de ces sas qui ouvrent sur autre chose, ont été confrontés à des réalités qui n'existent pas sur notre monde. À cet égard, le cas de Jeannette Blum, l'épouse de notre ami Jean Blum, est significatif puisqu'elle aussi a touché du doigt les vortex. Jeannette Blum, nous sommes à Cuisard. Vous étiez à l'époque, en 1985, secrétaire médical. C'était en novembre, à 11h du matin à peu près. La journée était belle, mais vous alliez, je crois, offrir un cadeau à un enfant. Oui, à une petite fille de 3 ans, un chien un peluche. Donc, je me rendais dans ces lieux mystérieux, mais pour moi, ce n'était pas mystérieux parce que je ne m'intéresse pas tellement à l'ésotérisme. J'allais là-bas, disons, franchement, faire plaisir à une petite fille. Est-ce que cette route, vous l'aviez déjà empruntée ou... Je l'avais empruntée une fois, mais de nuit. Je ne connaissais pas l'endroit. Bon, j'allais dans cette ferme, bien sûr, je savais que très bien qu'elle était située sur un promontoire, dont je la voyais très bien de la route départementale, mais je ne connaissais pas l'environnement. Ça, je savais très bien que c'était isolé, boisé, et c'est tout. Je roule à peu près 30 à l'heure, et d'un seul coup, pourtant j'accélérais, ma voiture vraiment a stoppé. Vraiment, je ne pouvais pas du tout avancer. Et plus j'accélérais, les roues patinaient, ça faisait un bruit terrible. Et donc, je suis sortie de ma voiture, et avec mes mains, j'ai enlevé tous les cailloux possibles pour pouvoir avancer. Et là, à ce moment-là, je vois une ferme sur ma droite, une belle ferme construite avec des pierres apparentes de couleur ocre. Les fenêtres étaient grandement ouvertes parce qu'il faisait tellement bon. Et j'entendais un bruit de fond, un bruit qui ressemblait à un bruit de scie. Je me suis dit, bon, puisque je ne peux pas y aller en voiture, je vais y aller à pied. Ce n'était pas loin, c'était peut-être à 300 mètres ma ferme. Je la voyais vraiment très bien, je la distinguais très bien. Alors je prends mon petit chien un peluche, je m'engage sur ce chemin, et qu'est-ce que je vois arriver ? Trois chiens assez... ils étaient quand même assez, ils ressemblaient à des chiens loups, hein, ils étaient quand même assez costauds, et ils sont venus vers moi, non pas du tout agressifs, non pas du tout aboyés. Ça, j'ai été impressionnée quand même, et ils se sont rangés devant moi formant une barrière avec défense de passer, hein. Alors je me suis inquiétée. À un moment donné, je me suis dit, mais où je suis? C'est pas possible, je peux pas avancer avec ma voiture, je peux pas avancer en marchant. Et c'est là que j'ai vu le panneau, un panneau en bois, à 30 mètres de moi à peu près. Alors, une flèche m'indiquait qu'il y avait le Legascou, ça je pouvais le lire étant donné que je connaissais, disons, le nom de la ferme. Mais par contre, il y avait une flèche qui indiquait l'autre ferme. Et là, je n'ai pas pu lire le nom de cette ferme.
Jeannette Blum, nous sommes sur le site où vous avez vécu cette étonnante aventure. Alors décrivez-nous un peu ce site. Eh bien ce site, le voilà, j'ai trouvé ma ferme ici, sur ce promontoire-là, juste en face de nous. Cette coopérative agricole où ils vendent du fromage de chèvre n'existait pas. Bon, et à ma gauche, vous avez les Gascous, dont vous voyez dans la ferme, on la voit d'ici, d'assise également sur, en hauteur, sur un promontoire. C'est là où j'étais décidée d'y aller à pied, c'était pas loin, quand j'ai vu que je n'avançais pas avec ma voiture. Et c'est là, à droite, que les chiens sont arrivés et qui m'ont interdit de passer. Hein, ils ont fait comme une barrière, trois chiens, ils ont vraiment rempli le chemin. Et donc le site n'a guère changé. Si je m'aperçois quand même que le chemin vicinal il y a toujours des pierres, il était beaucoup plus plat. Mais quand je me suis arrêtée, bien sûr, il était marécageux, hein, un peu comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans ma voiture face au chien et j'ai dit, pourvu que je puisse faire marche arrière. Et marche arrière, j'ai pu faire marche arrière jusqu'à la route départementale. Je suis arrivée chez moi, mon mari est arrivé, je lui raconte cette histoire. Il m'a bien écouté d'ailleurs. Il m'a dit, écoute, tu téléphones à cette dame et tu lui racontes ce qui s'est passé. Et alors effectivement, je téléphone et je le lui dis. Je lui ai dit que je n'ai pas pu te joindre étant donné qu'il y avait trois chiens qui me barraient la route. Elle me dit, mais enfin, c'est pas possible, parce que je suis isolée, je suis seule, et je n'ai qu'un chien, il est brave comme tous, un petit toutou, enfin vraiment, hein, pas du tout agressif. Moi, j'ai dit, j'avais trois chiens qui étaient assez, qui vraiment m'ont empêché de passer. Et j'ai dit, mais ce qui me rassure dans le fond, c'est que tu as une ferme à côté, tu n'es pas tellement isolée. Elle me dit, mais enfin, il n'y a pas de ferme, je t'assure, il n'y a pas de ferme. Alors, quand elle m'a dit ça, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle ou pas? Jean Blum, ton épouse, Jeannette, a vécu une aventure tout à fait singulière. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions? Ce qui est arrivé à Jeannette, ma femme, m'a beaucoup intrigué, interpellé, précisément parce que c'est une personne très ouverte sur beaucoup de pôles d'intérêt. Cela dit, elle n'est pas obnubilée par l'ésotérisme. Elle est beaucoup moins que toi, si tu permets, ou moi, par exemple. Et mon premier souci a été de nous assurer tous les deux de l'authenticité des faits. Ça veut dire que le lendemain, nous avons cherché d'abord à exclure toute possibilité d'erreur. Nous sommes allés sur le terrain, nous sommes entrés en chacun des chemins partant de cette route allant de Rennes-les-Bains à Bugarache et revenant vers Rennes-le-Château, Laval-Dieu, et il n'y avait pas d'erreur possible. Elle était effectivement sur le chemin conduisant à la ferme de notre amie Anne. Elle était où elle pensait être. Et effectivement, la ferme qu'elle avait vue, la seconde ferme qu'elle avait vue le lendemain, n'y était plus. Mais il y a encore un siècle, des scientifiques aurait exclu la chose ou aurait examiné en tant que curiosité médicale. De plus en plus, la science moderne rejoint certains grands enseignements traditionnels. Les écoles des mystères sont beaucoup plus près de la physique quantique qu'une religion particulière ne l'est de la science du 19e siècle. À l'heure actuelle, des choses comme la physique quantique considèrent qu'il y a des relations privilégiées, des interférences entre chaque être humain et l'univers tout entier. D'une certaine façon, la physique quantique postule que nous créons l'univers en l'observant. Et certaines écoles de la physique quantique envisagent que l'univers se subdivise à chaque plus court instant possible, ça s'appelle le temps de Planck, ça, et que l'un de ces univers est consacré, sacralisé, dirais-je même, comme réel par notre observation et perdure dans le temps. Mais que se créent des univers fantômes ou existant dans d'autres dimensions qui à des moments donnés peuvent interférer avec l'univers vrai. Alors, prenons un cas de figure en 30 secondes. Sur le site de cette ferme, à un moment donné, un monsieur quelconque gagne le gros lot à la loterie. Il hésite entre faire construire une ferme là et aller couler des jours heureux au bord de la mer. Il prend l'hypothèse jours heureux au bord de la mer et il n'édifie pas cette ferme. Mais l'hypothèse qu'il exclut part dans un univers fantôme, il édifie ailleurs où son double édifie une ferme là,
Et puis, péripéties à n'en plus finir. Et à un moment donné, la fréquence vibratoire de cette ferme, de l'univers dont on peut considérer qu'il est et n'est pas en même temps, vient sur une harmonique, ça peut paraître barbare, mais c'est un peu ça la science moderne, vient sur une harmonique vibratoire de notre univers actuel, et un habitant, une habitante de notre univers actuel rencontre cette chose-là. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a la plongée dans le temps, il y a d'autres possibilités comme ça. Après avoir interviewé Jeannette Blum sur les lieux, nous continuons le chemin, et sur ce chemin, deux chiens semblaient nous attendre. Ce qui est surprenant quand je viens dans cet endroit, c'est que je rencontre toujours des chiens. Partout où je m'arrête, il y a des chiens. Et là, voyez-vous, il y en a deux, ils sont vraiment extraordinaires. Et là, vraiment, vous les voyez. Tout à fait. Bon, alors là, ceux-là, ils existent. Mais c'est extraordinaire, j'ai remarqué ça. Je rencontre toujours un chien dans cette région. Il ne faut pas négliger cette histoire de chien. Il s'agit en fait d'un phénomène de rémanence que l'on rencontre assez souvent dans le cas des autres dimensions. Ainsi, dans la cassette Contact Espace-Temps, on voit Jean-Claude Pantel qui est contacté par des êtres d'une autre dimension, d'un autre ailleurs. L'un de ses contacts eut lieu dans un immeuble de la rue Lafayette à Marseille, dont Jean-Claude Pantel, évidemment, ne possédait pas la clé. Nous non plus, à plus forte raison. Or, quand nous sommes allés, quand notre équipe de tournage s'est rendue sur les lieux, nous étions à la porte et nous avons vu sortir quelqu'un. Nous sommes rentrés. Une autre fois, c'est l'inverse. Nous sommes rentrés à la suite de quelqu'un qui venait pénétrer dans l'immeuble. De son côté, Jean-Claude Pantel a toujours fait la même chose. Il a suivi quelqu'un qui entrait. Ou il est entré parce que quelqu'un venait d'en sortir. Ce phénomène de redondance n'est pas rare dans les histoires de vortex. Ne quittons pas Marseille. Dans cette grande ville, cette métropole régionale, existe un vortex naturel. Il est situé au niveau de l'église des Réformés, c'est-à-dire cette église qui est en haut de la Canebière. Dans ce quartier, au cours des années, voire des décennies, des phénomènes d'accès à d'autres vortex se sont manifestés. Et nous allons rencontrer une personne qui a été confrontée, Tania Anziani. Tania Anziani, nous ne sommes pas à Marseille, mais nous sommes à Molens-sur-Ouvèze, où tu exerces ton art de carton ancienne, voilà. Et où je fais mes peintures. Et où tu fais tes peintures. Donc nous sommes autour des années 85-86, peu importe. Et ça se passait boulevard Eugène Pierre. Eugène Pierre. Voilà. Et je remontais toute la rue des 5 avenues. Je passais sur la place du marché et je remontais jusqu'à l'avenue Saint-Pierre. Et lorsque j'arrivais là, je laissais mon chien trotter parce qu'il y avait beaucoup d'arbres et qu'il fallait qu'il fasse ses petits besoins, chaque arbre. Et je me suis trouvée, sans m'en rendre compte, dans un jardin, mais un jardin touffu. Je dirais que ça faisait plus forêt que jardin, parce que c'était surtout des arbres, où je ne voyais pas le ciel ni rien du tout. Par contre, il y avait des roses trémières, qui étaient d'un rose très vif, violent, mais qui avaient des 4 mètres de haut. Et en moi-même, je me suis demandé, j'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre comme produit dans sa terre pour pouvoir faire obtenir des roses comme ça? Et le chien, pendant ce temps, courait dans l'herbe, il se roulait et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais chez quelqu'un. Alors je me suis naturellement repris, j'ai vite attrapé mon chien et j'ai reculé de 2 mètres. Lorsque j'ai reculé de 2 mètres, je me suis trouvé dans le boulevard. Comme je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, je suis retournée en avant et j'étais toujours sur le trottoir. Alors j'ai pris mon chien dans les bras, j'ai traversé l'avenue pour regarder de loin. Il n'y avait toujours pas de jardin, avec les maisons devant, le trottoir devant. Mais mon chien, par contre, sentait l'herbe. Il s'était donc bel et bien roulé dans l'herbe. Tu te trouvais tout simplement, entre guillemets, dans j'aurais avancé. Le fameux vortex. Le fameux vortex qui a son point central au Réformé. Oui, c'est au Réformé. Dans un rayon de 500 mètres autour des Réformés, c'est ça le vortex de Marseille. Près du centre de ce vortex, situé
au niveau de l'Église réformée, deux personnes qui ne se connaissent pas ont été confrontées à une créature inquiétante. Une créature que notre illustrateur Roger Roux a reconstituée en fonction des divers témoignages qui lui ont été communiqués. J'ai le plaisir de retrouver Sultane, que j'avais plus vu depuis des années. Sultane, vous êtes voyante à Marseille, vous êtes revenue assez récemment à Marseille. Et il y a bien des années déjà, pour vous déplacer, vous preniez des taxis, etc. Et à cette époque-là, vous habitiez dans un autre quartier de Marseille. Et vous aviez pris l'habitude de voyager avec un chauffeur de taxi qui se prénommait Benoît. C'est exact. Voilà, alors un soir, vous appelez Benoît, vous avez une course à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis du 16e arrondissement de Marseille. Nous sommes descendus vers la gare Saint-Charles, pris le boulevard de la Liberté. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait un silence minéral. Nous sommes descendus la rue de la Grande Armée. En bas de la rue, le chauffeur de taxi rouspétait après une voiture qui était là, mal garée. Comme un bon Marseillais, il insulta la personne et monta sur le bord du trottoir. Et en l'insultant bruyamment, la personne s'est retournée vers nous et ce n'était pas un être humain. Elle ressemblait plus à une grenouille qu'à autre chose, comme si ses yeux étaient en décalage, son nez et sa bouche aussi. C'était une femme, c'était pas un homme. Je pense que c'était une femme. Je ne peux pas affirmer puisque je n'ai pas vu le bas de son corps, mais ni la voiture, ni le personnage n'était de notre époque, ni de notre vie actuelle, ni de notre monde. Ça ressemblait à tout sauf à rien. Sultane, il faut préciser que c'était en plein été, ça. Oui, oui, c'était en plein été, c'était au mois de juillet. Il était 8h du soir, 8h, 8h30. Et bon, à ce moment-là, il devait avoir beaucoup de monde, parce qu'au mois de juillet, il y a toujours beaucoup de monde entre le boulevard de la Liberté et les Réformés. Et là, il n'y avait personne, pas un chat, pas un bruit, rien. Du coin de la rue de la Liberté jusqu'au bas des Réformés, jusqu'au restaurant L'Adagio, il y a eu un silence minéral. Et alors vous m'aviez dit, il me semble, parce que les souvenirs, ça fait 10 ans, oui. S'estompent, il me semble que vous m'aviez dit que ce qui vous avait surpris, c'est que la traversée de ce grand carrefour en haut de la Canebière s'était passée sans heurts, sans secousse. Sans secousse, comme si la voiture avait volé, comme si elle avait même traversé des maisons, parce qu'après, j'étais sur place pour tomber, enfin, faut tourner. Et là, c'est comme si on avait été tout droit jusque devant la Baggio. C'est comme si les maisons n'avaient plus existé, ce qui est une chose complètement phénoménale. Et quand il est tombé dans cette rue, il y a eu du bruit à nouveau, beaucoup de bruit, les voitures, on entendait le bruit à nouveau. J'avais décrit certains phénomènes d'interaction avec les vortex dans cette région au cours de mon ouvrage documentaire Le Monde étrange des contactés, qui est totalement épuisé et dont l'édition Revue Augmentée est parue aux presses de la cité sous le nom Nos maîtres les extraterrestres. Et c'est grâce à ce livre que le radiesthésiste Gérard Jourdan a pu nous amener un autre témoin. Et Gérard Jourdan va nous en parler. Nous sommes sur le parvis de l'église Saint-Vincent de Paul, plus connue à Marseille sous le nom de l'église des Réformés. Et Gérard Jourdan, toi et moi, nous connaissons depuis 1984, je crois. Oui. Et je voudrais que tu nous expliques ici comment tu as été amené à rencontrer le témoin que nous allons interroger tout à l'heure, que nous appelons Bernard. C'est très simple. L'été dernier, j'ai consulté une personne qui s'appelle Aude et qui me dit « je me trouve mal, j'habitais plus exactement la rue Adolphe Thiers à ses débuts, et j'ai vécu des expériences troublantes, j'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. » Alors elle sait que je pratique la radiesthésie, tout ça, et elle se confie à moi, et elle me dit « j'explique pas par rapport... »
par la logique, ce qui peut se passer. Je constate qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ce secteur. Alors, je suis peut-être un peu folle, me dis-je. Non, pas du tout, je la rassure. Je lui dis, vous n'êtes pas la seule à avoir rencontré des phénomènes bizarres, puisque, voilà, je me souviens, en 84, avec Jimmy Gueux, nous avons fait une expérience, et je prends sur ma bibliothèque ton livre, Jimmy, et je lui fais lire, donc, un des passages, des pages 91-92, par là, qui cite cette histoire ici. Elle me dit, mais ces faits sont troublants, est-ce que je peux emprunter le livre ? Elle me dit, je vais le confier, il n'y a aucun risque donc pour l'ouvrage, à mon ami Bernard, qui est très intéressé, qui vit dans ce secteur et qui est très intéressé. Donc je lui confie le livre et quelques jours après, donc Bernard m'appelle au téléphone, il me dit, mais c'est quelque chose d'affolant ce qui m'arrive, c'est que l'histoire qui est contée par Jimmy Gueux dans dans ce livre qui date de 84, je l'ai vécu moi-même il y a de cela 2-3 mois seulement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Bernard, vous avez vécu en juin 1992 une étrange aventure. Vous étiez dans le quartier des réformés en haut de la Canebière. Où étiez-vous exactement ? Je descendais la rue de la Grande Armée. Et je suis arrivé, j'étais en voiture, j'ai stoppé en bas de la Grande Armée au feu rouge. Et à ce moment-là, une voiture est arrivée sur ma gauche, elle s'est garée sur ma gauche, à ma hauteur. Elle était seule et je ne l'ai pas vue arriver. Je pense qu'elle devait venir d'une des rues qui était perpendiculaire. Et elle est sortie, elle est venue se garer juste à côté de moi. Et puis, quand j'ai de nouveau regardé devant moi, je me suis aperçu que la personne avait un teint un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle était vert olivâtre. Et bon, étant dans une profession médicale, je me suis de suite dit que la personne devait être atteinte d'une maladie ou un peu spéciale, une hémochromatose. Ou... Et puis j'ai retourné la tête. Et à ce moment-là, j'ai remarqué la coiffure de la personne. Elle présentait une coiffure style afro, oui, cette coiffure afro. Pas cheveux boulonnés, comme on dit, mais cheveux lisses un peu étirés, mais volumineuse. Et cette coiffure, présentée dans sa couleur, différents points blancs, les blancs. C'était une femme. Je pense que c'était une femme. C'était assez massif quand même. Hein. Ce qui m'a fait un peu douter, parce que je me suis dit que c'était peut-être un travesti. J'ai remarqué qu'elle avait un nez assez busqué. Cette personne avait un nez assez busqué. Et que surtout les yeux avaient un aspect lumineux. Pas phosphorescent, mais lumineux, et qu'ils étaient verts, des yeux normaux, mais verts, mais lumineux. Et l'attitude de la personne était un peu penchée sur son volant, et elle ne regardait pas à droite, ne regardait pas à gauche, elle était sur son volant, et avait une espèce de petit mouvement comme ça. Alors là, il s'est passé une chose, le feu est passé au vert, et puis j'étais un peu. Je me suis dit. Dans toute cette phase, j'étais un peu gêné d'avoir observé ce genre de choses, un peu gêné de regarder attentivement cette personne. Donc j'ai accéléré. Et à ce moment-là, en accélérant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de voiture. Les gens sont en vacances, je dis, mais le mois de juin, ils ne sont pas en vacances. Et à cette heure, il devrait y avoir des voitures. C'était quelle heure hein? Je crois, quoi, ou c'était vers, je ne veux pas dire de bêtises, ou vers 11h ou vers 6h d'après-midi. Mais je ne m'en rappelle plus parce que... Enfin, à une heure où il y a quand même de la circulation. Oui, à une heure où il y a une période où il y a de la circulation. À ce moment-là, je suis arrivé sur le rond-point des réformés au niveau de l'église. Et là aussi, il n'y avait personne, pas une voiture. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, pas vu une seule voiture. Et à ce moment-là, j'ai traversé le carrefour, je me suis engagé dans la voie de Fautière. J'ai senti, à ce moment-là, j'ai eu l'impression... qu'on avait ouvert des fenêtres derrière moi. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un carrefour avec une vie extraordinaire. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, ça fait une seconde que t'es passé, il n'y avait rien.
Et là, ça fait 3 secondes que tu es devant et maintenant, il y a une animation impensable. Un petit commentaire sur cette manifestation curieuse. Car le quartier est vide. Pourquoi ? Parce qu'ils ont basculé dans une autre dimension. Et là, l'activité reprend brusquement. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de sortir de cette zone ultra-dimensionnelle. Ils sont revenus chez nous et tout s'anime. Mais pour ce qui concerne Sultane et Bernard, il semble qu'il y ait eu des séquelles physiologiques. Nous allons en parler. Il faut dire, Sultane, c'est que vous avez revu ce chauffeur taxi. Oui. Et il y a eu certaines transformations dans sa personne. C'était un homme, je crois, il y avait une soixantaine d'années, les cheveux blancs, quand oui. vous me l'avez présenté après l'incident. Et après, il y a eu autre chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, entre 1983 et 85, je pense que je l'ai rencontré septembre 85, cet homme avait rajeuni. Il avait rajeuni au niveau artère, au niveau même de son corps, il avait rajeuni au moins de 30 ans. En plus, il avait une peau pigmentée, marron foncé en 83. Et comme nous l'avons vu dans mon ancien bureau, il avait une peau plus claire. Et il avait la peau complètement lisse. Il n'avait plus une trace sur le visage. Vous avez des personnes qui vieillissent plus que d'autres. Mais alors, dans votre cas, il est vrai que... Moi, je viens de vous revoir tout à l'heure, là, avant de passer dans la caméra. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a plusieurs années. 86. C'était à 86. Donc, ça fait quand même... Et vous avez... Je n'ose pas dire que vous avez rajeuni, pour que vous ne croyiez pas que c'est un compliment, mais c'est presque ça. Je ne change pas et je me sens... On doit ce phénomène heureux, probablement à ceux qui, ce jour-là, ce soir-là, ont ouvert une porte sur une autre dimension qui vous a permis de passer et de revenir. Sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. La seule chose bizarre, ça s'est passé 2 mois après, quoi. J'ai quand même pris 2 coups sur la tête. Est-ce que c'est une coïncidence ou quoi? Avec une massette. Il faut bien le dire, je suis encore là, hein. Je ne dirai pas exactement comment ça s'est passé, mais ça m'a un peu surpris d'être aussi résistant. Je ne veux pas entrer dans les détails. Voilà. C'est une agression que vous avez subie? Oui, c'est une agression. J'ai subi une agression. J'ai reçu deux coups sur la tête. Et j'étais quand même surpris de résister à cette agression, quoi. C'est deux personnes, même trois, si l'on invoque Benoît, le chauffeur de taxi que nous n'avons pas pu retrouver, semblent avoir été ressourcés par leur passage dans ce vortex. C'est aussi un peu le cas de ce qui s'est produit en 1979, lorsque dans l'affaire Sergi Pontoise, ce garçon qui avait été enlevé à Sergi Pontoise donc, lorsque ce garçon et ses camarades venus à Marseille ont été confrontés à ce phénomène, du moins Jean-Pierre Prévost, il l'a rencontré devant les informés, au Rio, cette entité extraterrestre qui se déplace tout au long de l'affaire Sergi Pontoise. Et Jean-Pierre Prévost, qui avait fait des nuits de veille, après avoir rencontré cette entité devant les réformés, donc en plein dans le vortex, s'est senti très bien. Il disait textuellement, j'avais une pêche extraordinaire. Lui aussi avait été ressourcé. Certains vortex sont en corrélation avec des zones chargées de l'histoire. C'est le cas de Théopolis, la cité des dieux. Nombre de Sisteron, existe une pierre gravée en latin qui atteste de l'existence de ce site antique à l'époque romaine. Et Roger Coréard, qui est un érudit, qui est un peu la mémoire de ce lieu étrange, nous lui avons demandé d'être notre guide et nous allons le suivre. Nous sommes devant la fameuse pierre écrite. C'est cette route qui va de Sisteron à Saint-Géniès. Cette pierre écrite, elle remonte à l'époque romaine. Oui, elle remonte au début du 5e siècle. Au début du 5e siècle. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Bon, alors, c'est très mystérieux. Cette pierre n'est pas datée. Mais il est question
d'un grand romain qui se nomme Claudius Postumus Dardanus, qui était préfet du prétoire des Gaules de 409 à 414. Or, comme on parle de Dardanus en tant qu'ex-préfet du prétoire, ex-gouverneur de la Viennoise, ex-questeur, donc c'est après sa dernière fonction, son ultime fonction de préfet du prétoire des Gaules. Donc cette pierre est datée en gros de 415 à 420. Alors, ce qu'elle nous dit, elle dit que Dardanus, son épouse Nevia Galla et son frère Lépidus, qui fut gouverneur de Germanie première, aux environs de 395, ont fait ouvrir une voie praticable qui conduit vers le lieu de Théopolis, locus qui nomen Théopolis Est, un lieu qui se nomme Théopolis, lieu qu'ils ont fait fortifier par des murs et des portes, et ceci pour la sécurité de tous. Ce tableau, présent dans une église de la région, est, d'après Roger Coréard, une représentation de Théopolis. Roger Coréard, nous avons gagné en hauteur, nous sommes en altitude et nous avons à côté de nous la chapelle Notre-Dame de Dromont. C'est un site mystérieux, mais pourquoi ? Bon, d'abord de la façon dont cette chapelle a été reconstruite. Après les guerres de religion, tout a été détruit dans la région. Hein. D'après une lettre du curé de Saint-Génier de 1656, là derrière nous, en 1656, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un énorme tas de cailloux sur lequel était une croix en bois au pied de laquelle les bergers, les paysans du coin venaient prier. Un jour, un petit berger, Honoré Mas, 12-14 ans, était en prière. Il a entendu la voix de la Sainte Vierge qui lui disait « Avant, ici, il y avait une chapelle qui m'était dédiée, je voudrais qu'elle soit reconstruite. » Le petit berger a creusé, a découvert des débris de construction, en a parlé à son père, qui en a parlé au curé du village, qui en a parlé lui-même au seigneur de Dromont, lequel seigneur de Dromont a ramassé gratuitement une corvée de paysans, et il s'est mis à faire déblayer le tas de pierres. Et on a trouvé effectivement les débris d'une chapelle qu'on a reconstruite. Et en creusant, on a percé le sol et on est tombé dans cette fameuse crypte qui est en dessous. Donc on peut dire que la redécouverte de cette crypte qui est pratiquement indatable nous est venue par intervention divine. Et alors dans ce site, il y a aussi les rochers de Dromont. Cet énorme effondrement entre deux masses de roc qui ressemble à un serre-livre. Oui, un serre-livre, voilà. Exactement. Oui, oui, oui. Bon, alors, on peut supposer, vu les énormes éboulis de rochers qui sont en dessous, en direction du torrent du Vincent, parce qu'on a une déclivité de 60% et un ravin qui est à 300-400 mètres de profondeur où coule le torrent du Vincent. Alors, vu d'en bas, ou vu d'en haut, peu importe, on a l'impression qu'il y a eu un effondrement entre les deux. D'abord, des géologues m'ont dit qu'il y avait très certainement un sommet qui reliait les deux. Bon, il y a 10 000 ans, il y en a 2000 ou il y en a 1500, on l'ignore totalement. Mais le fameux locus qui nomen Théopolis Est, dont parle la pierre écrite de Dardanus, c'est-à-dire un lieu qui se nomme Théopolis, moi, je pense que c'est plutôt les rochers de Dromont. Vu l'importance mystique, ésotérique de ce rocher, c'est là que je place Théopolis. Quand Dardanus est venu, pierre écrite nous dit qu'il a ouvert une voie praticable qui conduisait au locus de Théopolis, qu'il a fait fermer par des murs et des portes. Or, cet endroit est très difficilement fortifiable. Alors, je pense plutôt qu'il a fait murer les accès au temple souterrain qui se trouvait sous Dromont. Parce que le légendaire de Saint-Génier veut que sous la chapelle actuelle, il y ait un temple païen. Voilà. Donc moi je pense que c'est que Dardanus a fait plutôt murer les accès pour éviter que ce qui était à l'intérieur sorte à l'extérieur. Il se peut très bien que ce soit cela qui est ici. Et il se peut que cette force qui est dans le rocher de Dromont soit à l'origine des très énigmatiques photos qu'à trois reprises j'ai pris, étalées sur trois ans, chacune à une an de différence, j'ai pris dans cette crypte. En voulant photographier la pierre de fécondité, j'ai pris tout à fait autre chose. C'est dans cette crypte que Roger Coréard fut directement confronté à un phénomène étrange relevant des vortex.
Le seul homme qui parle officiellement, je dis bien officiellement, de la pierre de fécondité, c'est M. Pierre Colomb, qui a écrit un magnifique livre, Sisteron et le pays sisteronais. Bon, Pierre Colomb, c'est celui qui nous a sauvegardé la forteresse de Sisteron après le bombardement du 15 août 44. C'est celui qui a fait restaurer cette chapelle et une dizaine de chapelles tout autour. Hein. Alors, il a dans son livre, il parle justement de cette pierre de fécondité. Et c'est le seul qui parle de cette pierre. Il dit pas pierre de fécondité. Il dit ce bloc de roche que des mains et des lèvres ont poli. Peut-être que des femmes venaient demander là des garçons vigoureux pour conduire les troupeaux hérissés de béliers dont le souvenir hante les chapiteaux énigmatiques de la crypte. Alors, ces photos, tu les as prises comment? Alors, voilà. La première, septembre 90, j'ai voulu prendre la crypte de l'extérieur. Donc, je me suis mis à genoux. Hein, à l'extérieur, j'ai pris mon appareil que j'ai passé à hauteur de moi, hein, au pif, et j'ai visé le fond de la crypte. Donc j'ai visé la pierre. La pierre, et ben, il ne m'est pas sorti cela. Il m'est sorti cette fameuse pierre qui n'existe pas là-dedans et qui représente, ben, grosso modo, une pierre verdâtre avec dessus des gros blocs de pierre taillés et sur la pierre verdâtre, ben, une figure fantomatique. Alors on a appelé ça le fantôme de la crypte, on n'y a plus pensé. Hein. Et l'année suivante, donc en 91, au mois de juillet ou août 91, j'ai voulu donc reprendre à nouveau la crypte, et cette fois, je me suis mis ici. Voilà, ici. Paf, j'ai pris ma photo, toujours avec le même appareil. Et à ce moment-là, il m'est ressorti la même figure fantomatique, exactement dans les mêmes détails, mais plus loin. Plus loin, au lieu d'être, alors qu'elle aurait dû être plus près, puisque en définitive, j'étais bien 1,50 m plus près de la pierre. Mais cette fois, la silhouette apparaît plus loin. Bon, alors cette fois, j'ai quand même été assez troublé. Et l'année suivante, j'ai repris la même photo, j'avais plus de flash pour mon ancien appareil, j'ai pris un jetable, et cette fois j'ai pris la même photo de la même condition. Et vu que le champ était plus grand, il m'est toujours apparu cette figure fantomatique. Mais à droite, j'avais le montant de ce qui m'apparaissait être comme un tableau, et à gauche, j'avais ce qui m'apparaissait être comme l'angle d'un coffre en bois. Voilà l'explication de ces trois photos, qui, en définitive, l'objet que j'ai photographié se révèle être dans la chapelle supérieure à gauche et à l'étage supérieur par rapport à nous. Et donc, disons, le pot rose m'a été dévoilé par Alain et Colette, hein, un couple qui était venu dans l'équipe de Gilbert Attard, il y a 3 mois de cela, pour tourner une séquence sur Théopolis. J'étais en train d'expliquer, de commenter la crypte à Gilbert Attard et au groupe. Colette et Alain sont rentrés dans la chapelle latérale, me sont ressortis et m'ont dit « Mais ce que tu nous as montré la soirée précédente quand on mangeait une pizza à Saint-Jean-Louis à Entrepierre, c'est à côté, c'est à côté. » Bon, moi, j'ai vérifié, j'ai compris de quoi il s'agissait, hein. J'ai vu que c'était exactement la même chose que sur mes photos. Bon, donc c'était stupéfiant, ahurissant, de tous les qualificatifs peuvent y passer, ça n'explique rien du tout. Ainsi, en prenant une photo de la pierre de fécondité, Roger Correa a obtenu un cliché d'un endroit situé à l'étage au-dessus. Faut-il voir là les effets résiduels des Fantastic Forces jadis présentes à Théopolis? La cité des dieux était peut-être une porte sur une autre dimension. D'en bas de la crypte, à 3 reprises différentes, et à mon insu, et là je suis de bonne foi absolument, hein, donc j'ai photographié quelque chose qui se trouvait dans la chapelle latérale en haut à gauche par rapport à moi. Comme une juxtaposition de plans de réalité différentes. Mais oui. C'est typique du vortex. Absolument. Est-ce qu'il y aurait une porte induite? Est-ce que, de par le fait qu'il se passe des choses extrêmement curieuses, on peut, je crois, raccorder cela au phénomène des vortex, ces brèches dans l'espace-temps? Mais oui, pour moi, c'est ça. Et ce vortex, il se situerait surtout entre les deux pointes. Nous avons le Dromont, mais de l'autre côté, il y a un autre rocher qui actuellement s'appelle le Sabot, mais qui s'appelait le Dromonnet dans le siècle précédent. Et là, il manque quelque chose. Et là où il manque
ce quelque chose, il y a un vide. Il y a un vide, il y a un appel. Il y a quelque chose qui manque et je pense que c'est là le vortex. Les vortex sont souvent associés à des lieux très chargés. Et c'est ainsi qu'il faudra revenir sur l'affaire Théopolis, où on rencontre quand même un certain nombre de similitudes avec Rennes, le château. Il y a une histoire de trésor. Il y a de nombreuses observations d'OVNI, et les OVNI ne sont pas absents de la Provence. Ce livre paru aux éditions de Haute-Provence en signale pas mal, un livre peut-être un peu timide, un peu frileux. Enfin, il faut savoir lire entre les lignes. Tout cela crée des convergences. On pourrait dire que il a manqué à Théopolis son abbé Saunière, un abbé qui aurait propagé d'autres vérités, d'autres enseignements, d'autres choses secrètes, et qui aurait dépensé sans compter pour que l'on braque les projecteurs de l'actualité sur ces frasques. Ça n'a pas été pris pour Théopolis, qui a gardé beaucoup plus de mystère. Ces vortex sont naturels, ce sont des phénomènes à la frange du continuum espace-temps. Mais s'il existait des vortex artificiels, si une technologie supra-évoluée permettait d'ouvrir la porte, ou des portes. Fantastique, science-fiction, pas du tout. Nous l'avons vu dans la cassette OVNI USA. Nous avons parlé de la Philadelphia Experiment. Un mot de cette Philadelphia Experiment. Nous sommes en 1943 aux États-Unis, à Philadelphie, comme son nom l'indique, et les Américains, se basant sur les travaux de Nikola Tesla, qui était un super génie, et d'Einstein, décide d'étudier les possibilités de rendre invisible un navire pour qu'il échappe au radar. Et ils choisissent l'Eldridge. Là, après des installations hyper sophistiquées, ce navire et son équipage disparaît brusquement de la rade de Philadelphie, pour se matérialiser dans celle de Norfolk, le bond interdimensionnel ou transdimensionnel a été de 640 km. Et de nouveau, après un court séjour, Ledridge va se dématérialiser de Norfolk pour venir se rematérialiser dans les installations portuaires de Philadelphie. Alors je vais vous demander ici d'accrocher vos ceintures, de tenir compte que le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Vous allez entrer dans la fantasmagorie la plus délirante et qui est terriblement réelle. Nous avons rencontré aux USA un survivant de l'expérience de Philadelphie. Il l'a vécu, il était à bord de l'Eldridge, il n'était pas seul. Cet homme aujourd'hui s'appelle Alfred Billick, Al Billick. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça n'a pas toujours été son nom. Du temps d'expérience de Philadelphie en 1943, il s'appelait Edward Cameron. Nous verrons plus loin pourquoi et comment il a changé de nom. Les préparatifs étaient déjà très avancés pour un test sur un bateau de guerre prévu pour le mois de mars. Tesla était un homme très intuitif. Il a réalisé que les niveaux de puissance qu'il aurait à utiliser pour les champs magnétiques et électriques étaient si énormes qu'il y avait un risque sérieux de dégâts corporels et que l'équipage pouvait même être tué. Donc, il est allé voir la marine pour demander plus de temps en disant « Je suis sûr d'arriver à résoudre le problème, mais j'ai besoin de plus de temps. » La marine a répondu que la guerre continuait. C'était une réponse typique à l'époque. Faites ce que vous avez à faire, vous devez respecter la date de l'essai. Donc nous avions le choix, soit tester l'équipement tel qu'il était et espérer pour le mieux, soit saboter le test. Il était très concerné par la sécurité de l'équipage.
Donc, le jour du test, il mit le matériel en marche et rien ne se passa, à part quelques lampes qui éclatèrent parce qu'elles étaient mal chargées. Il dit que le test était un échec. Il y avait un homme très doué qui s'appelait le docteur Joseph von Neumann. Donc le docteur von Neumann devint le nouveau directeur et dit immédiatement à la marine que ce serait trop long de trouver ce qui n'allait pas et qu'il préférait reconcevoir le système en entier. Alors dans cette affaire, il y a une image qui émerge, c'est celle de John von Neumann, qui est un scientifique de très haut niveau puisqu'il devait travailler ensuite à l'opération de la bombe atomique à Los Alamos. Von Neumann va écarter Tesla. Tesla, dont voici une remarquable biographie classique, parue chez Belin, fort intéressante. C'est lui qui a construit un récepteur radio géant pour RCA, la Radio Corporation of America, qui était la chaîne numéro un. Ce récepteur, avant qu'il ne le confie à RCA, lui avait permis de capter des messages extraterrestres, d'une espèce humanoïde qui venait des Pléiades, ou d'une confédération de mondes de la région des Pléiades, la région cosmique des Pléiades. Il communiquait. Certains disaient qu'il comprenait une langue étrange que parlaient ses interlocuteurs d'ailleurs. Il a donc été éliminé, mais nous retrouvons dans les années lumière cet ouvrage de Gary Kinder paru aux éditions Arista. Nous retrouvons ces êtres des Pléiades qui délivrent ici des messages. Nantis d'un savoir venu des étoiles, d'un autre monde cosmique, Tesla savait que l'expérience risquait de mal tourner. J'étais monté à bord avec mon frère Duncan Cameron. Je ne m'appelais pas Al Bielek à cette époque, mais Edward Cameron. J'étais né le 4 août 1916, Duncan en mai 1917. Notre père était Alexander Duncan Cameron Sr., qui était lui aussi dans la marine. Nous étions à l'intérieur du poste de contrôle, derrière un blindage en acier. Les portes aussi étaient blindées. Tout a été normal pendant 30 secondes, et puis nous avons vu les tubes électroniques éclater par vagues. Il y en avait 3000 pour contrôler les bobinages générant les champs. Avec l'interrupteur principal, nous avons tenté de couper l'alimentation, mais les manettes étaient figées et nous n'avons pas pu les bouger. Les conditions se sont aggravées dans le poste de contrôle, et nous avons décidé qu'à ce moment, il était temps de partir. Nous avons ouvert la porte blindée et couru dehors. Sur le pont, les marins paniquaient, mais personne n'était encore incrusté au pont à ce moment-là. Tous les deux, nous avons eu un éclair de génie. Sautons par-dessus bord. Nous sommes passés au travers d'un étrange phénomène, qui ressemblait à un tunnel avec des éclairs de lumière ou quelque chose de ce genre-là. D'après ce que nous avons pu estimer, cela a duré 2 minutes. Nous nous sommes relevés sur de la terre ferme. Pas dans l'eau, de nuit, dans une sorte de périmètre militaire. On savait qu'on était sur une sorte de base militaire. Des hommes de la police militaire nous ont amenés dans un bâtiment où nous avons pris un ascenseur. Nous avons descendu plusieurs niveaux vers une installation souterraine. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous avons été accueillis par un civil. Il nous dit alors: « Bienvenue, messieurs, je vous attendais. Je suis le professeur von Neumann. » C'était en 1983, comme nous nous en sommes rendus compte plus tard. J'ai demandé « Qui êtes-vous »« Vous ne pouvez pas être le docteur von Neumann, car il est beaucoup plus jeune et nous l'avons quitté il y a à peine une heure. » Il nous a répondu « Nous ne sommes pas en 1943, mais 1983, 40 ans plus tard, et je suis le même homme plus âgé de 40 ans. » On était là depuis 12 heures quand il va nous parler. « Messieurs, nous devons vous renvoyer vers l'Eldridge. » Je lui demandais comment il allait faire ça. Il a répondu « Nous avons une maîtrise totale de l'espace-temps ici, au projet Montauk. Vous devez retourner là-bas et détruire l'équipement
car nous ne pouvons pas le contrôler d'ici. Les générateurs fonctionnent toujours sur l'Eldridge et il est coincé dans une bulle de l'hyperespace. Donc nous devons vous renvoyer là-bas et vous devez détruire l'équipement pour que le bateau retourne à son époque normale dans les installations navales de Philadelphie. Donc ils nous ont renvoyés. Nous sommes arrivés sur le pont du bateau. Nous avons trouvé l'accès à un poste de contrôle et avons détruit l'équipement. Les générateurs ont commencé à s'inverser. On a su que c'était terminé à ce moment-là. On est sorti du poste de contrôle pour retourner sur le pont. Et c'est là que nous avons vu les deux hommes incrustés dans le pont de métal et deux autres mélangés au blindage. Un cinquième avait la main prisonnière dans l'acier. Je suis passé au-dessus de l'un d'eux qui avait la tête et les bras qui sortaient du métal. Duncan a vu toute cette panique, ses jambes mélangées à l'acier, et il m'a regardé l'air de dire « Viens avec moi ». Alors il a sauté et a disparu. Les champs ne s'étaient pas encore effondrés, et il est retourné en 82-83 au projet Montauk. Suite à cette aventure, Edward Cameron va rejoindre le professeur von Neumann à Los Alamos en juillet 1944. Trois ans plus tard, le 4 juillet 1947, il va être arrêté, Cameron, accusé d'espionnage. C'est faux, bien sûr. Mais on l'élimine. Et il va connaître à ses dépens que les technologies de manipulation de l'espace-temps sont aux mains des militaires. Il en aura la preuve, car il va être précipité au Montauk Project, qui est situé à Long Island, qui est une île pas loin de New York. Et là, c'est le fantastique qui l'attend. Donc on m'a emmené à Montauk. Il y avait une base navale là-bas. Après plusieurs heures, on m'a dit de rester debout sur un cercle dont on parle dans le livre sur Montauk. J'étais entouré de militaires qui m'ordonnaient de ne pas bouger. Il y avait 75 personnes armées autour de moi. Et puis soudain, je n'étais plus là. J'étais de retour au projet Montauk de 1983 dans les souterrains. Von Neumann me dit, je n'aime pas ce qui va se passer. Ils vont vous renvoyer en arrière dans le temps, effacer votre mémoire et vous mettre dans une autre famille. Vous allez tout recommencer avec une nouvelle vie. Ils ont l'espoir que vous ne vous rappellerez jamais de ce qui s'est passé et que disparaîtront la mémoire et la personnalité d'Edward Cameron. Cameron est renvoyé dans le passé. Il régresse, il a un an. Et il est pris en charge par une famille qui ne s'appelle pas Cameron, mais qui s'appelle Bilek. C'est là qu'il va devenir Bilek. Il a un an. Vous imaginez, une technologie de translation dans le temps. C'est pas de chez nous. Dans cette étrange affaire, l'attitude de Tesla est celle d'un homme sage. Les contacts qu'il a eus avec les Pléiadiens, bien sûr, il ne s'appelait pas comme ça, c'est nous qui avons donné les Pléiades, le nom à cette constellation, semblent être des êtres soucieux de nous éviter quelques problèmes graves, puisqu'il a tenté de sauver l'équipage de l'Eldridge. Il y avait donc, semble-t-il, deux influences. L'une bénéfique, Tesla, qu'on a écarté, et d'autres, est-ce qu'il s'agissait des gris ? Je n'en sais rien. Mais une influence négative s'est manifestée, qui a fait prévaloir des recherches militaires, sans trop se soucier de sauvegarder ceux qui y participaient dans l'expérience de Philadelphie. Et tout ceci lié à des déplacements dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'est ça qui nous gêne. Oh, on prend un avion, on prend un bus, un taxi, on s'en va en voyage, mais dans le temps. C'est fou. Ça ne tient pas debout. C'est de la science-fiction. Je crois que non. Nous avons eu, et je le prends pour tel, un exemple historique d'un personnage qui a existé pendant 172 ans. On le voit à cheval sur deux siècles, fréquentant les plus grandes cours d'Europe, étant invité aux tables royales, ne mangeant jamais. On n'a jamais vu manger cet homme. Il consentait à boire un petit peu, quelques gouttes d'eau associée à de la grenadine, je crois, ou de la framboise, peu importe. Cet homme, c'était le comte de Saint-Germain. Cet homme qui sait tout et qui ne meurt jamais, disait Voltaire. J'ai consacré ce roman
la caverne du futur, au comte de Saint-Germain. Alors, le comte de Saint-Germain, voyageur temporel, hypothèse gratuite, et non. Parce que M. de Belle-Île, qui était un ami du comte de Saint-Germain, nous apprend qu'il utilisait, ou qu'il avait au moins une fois utilisé pour sauver sa vie, un pistolet philosophique. Et que faisait-il ce pistolet? Il projetait un flash de lumière et les gens étaient paralysés. Cette arme que tous les arsenaux du monde recherchent, une arme paralysante. Nous sommes certains, nous les chercheurs, j'allais dire parallèles. Non, nous sommes à l'avance. Les chercheurs avancés, nous avons la certitude qu'elle existe déjà dans le temps et que nous allons un jour, nous aussi, la découvrir. Comme nous découvrirons beaucoup d'événements fantastiques, beaucoup de réalisations étonnantes et beaucoup de choses que nous retrouverons un jour dans une autre recherche sur les univers parallèles ou les vortex.